aujourd'hui. Alors aujourd'hui il fait gris, mais c'est pas trop froid, on est juste bien. Donc aujourd'hui on va amener Tchadi au pont. Yay! C'est la première fois qu'il va y aller, donc ça va être bien. Il va pas, pour vrai, il va pas vraiment cueillir beaucoup, mais bon, ça fait des beaux souvenirs et une belle activité en famille à faire. Donc, accompagnez-nous, guys. Coucou! Yari. Say hi to the vlog. Hello. Like, comment, and subscribe. Ouais, pour vrai. Salut mes divas, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc me revoici aujourd'hui pour une vidéo vlog. Enfin, je commence un vlog, puis j'ai pas l'air d'avoir dormi ma vie. Anyways, non, pour vrai, ça fait un bon moment que je suis réveillée. J'ai le temps de faire plein de trucs autour de l'appart. Là maintenant, je suis habillée parce que je dois sortir faire des petites courses rapidement. Et ouais, donc je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas vlog en parenthèse, donc pourquoi pas faire un vlog aujourd'hui. Je veux sortir, mais j'attends que mon petit bout se réveille. Je veux pas le déranger, genre c'est l'heure de la sieste. Je pensais que j'allais avoir le temps de sortir avant. Avant que ce soit l'heure de la sieste, puis qu'il allait genre s'endormir dans la voiture pendant que j'allais aller faire mes courses, ce qui aurait été l'idéal, parce que je pense que, en fait, il aime bien comme, il aime bien la voiture, tous les bébés aiment ça, là, mais comme, j'ai l'impression que ça le détend, puis que, tu sais, il se sent juste bien, puis il est prêt et dispo à s'endormir plus facilement. Anyways, fait que là, je l'ai sur le moniteur, là. Il fait dodo encore. J'attends qu'il se réveille pour pouvoir sortir. En même temps, j'ai faim. Fait que je me demande si je vais pas me prendre quelque chose à manger. Anyway, on va voir. So, c'est ça. Fait que là, je l'attends. Là, j'ai juste pris un café en plus depuis ce matin. J'ai pas encore eu le temps de dîner. Puis quoi, il est... Quelle heure il est? Oui, ta ménette. 2h35, puis j'ai toujours rien mangé de la journée. Là, je commence à avoir faim pour de vrai. Et je vous emmène avec moi, guys. Yes, come with me. Donc, ouais, à tantôt. Ok, so, je suis arrivée au Maxi. J'ai besoin d'aller chercher juste un petit truc. Après ça, je vais rentrer. Fait que on va faire ça. Stay live. I was put on my own, that's the way it was. Alors, je viens de rentrer. Ah, je ne peux pas la venir, mais... J'ai préparé ma petite salade que j'aime bien préparer ces temps-ci. Vu que là, j'essaye de faire un peu plus attention à comment je mange. Donc, je vais vous montrer comment je fais ma salade. Me voici. Donc, c'est vraiment super simple. Vous pouvez prendre la laitue que vous avez chez vous. Donc, moi, j'avais de la Boston. Donc, j'ai utilisé les restants. Baby spinach. Ça, c'est comme de Maine. Comme il faut absolument qu'il y ait du baby spinach dedans. J'ai utilisé du fromage italien, mozzarella. Du fromage, peu importe celui que vous voulez. J'ai du feta aussi. Des fois, je fais avec du feta. Mais là, j'avais envie d'utiliser ça parce que j'ai pas envie de couper du fromage feta. Little bit lazy.
Puis surtout que ce soir, pour souper, je vais probablement faire cette salade-là aussi. Fait que je vais juste comme utiliser Feta à ce moment-là. Une pomme, de l'ail, de l'huile d'olive, vinaigre de balsamique et un petit peu d'épices oregano, etc. Donc, je vais faire ça live là-dedans. Ah, oh, aussi, on peut rajouter un peu de coriandre parce que j'aime ça. Alors, on va commencer par laver la pomme. Donc, pour couper ma pomme, je fais des petites tranches fines ou des petits cubes, peu importe, comme vous voulez. Moi, j'aime bien les tranches de pomme. Tranche ressemble à ça. Je vais mettre une bonne poignée d'épinards. Comme ça, une bonne poignée. Ça fait à peu près ça. Comme j'aime beaucoup cette salade-là, surtout dans cette période du mois où je suis, parce que je suis anémique, donc ça m'aide beaucoup au niveau de mon fer. Comme ça, j'ai pas besoin de prendre les pilules. C'est vraiment simple. C'est toujours mieux les trucs naturels. La Boston, je vais un peu la rincer. Je coupe ma laitue, comme ça, grossièrement. J'aime bien quand il y a des gros morceaux. Puis là, je vais juste ajouter ma pomme, excusez-moi, en top. Je pourrais en rajouter un peu plus, mais ça c'est. Avec des petites feuilles de coriandre déchiquetées. Comme ça. C'est sûr. Donc, ça ressemble à ça une fois que c'est tout coupé. Voilà, donc, j'ai ajouté là. Maintenant, je vais venir mettre de l'huile d'olive, un petit filet, mais l'huile d'olive extra vierge. Je vais mettre du vinaigre de balsamique. J'aime bien ça, ils en mettent pas mal. Voilà. Donc voilà, ensuite. Je vais venir ajouter du sel. Du poivre. Et de l'oregano. Et finalement, je vais ajouter mon fromage en top. Mais c'est vraiment une salade facile à faire. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Des petits trucs croustillants, des choses comme ça. Moi, j'aime bien cette salade-là comme accompagnement. Il y a vraiment beaucoup de variations. Voilà, ça ressemble à ça. Alors là, je vais juste bien mélanger. Ça là-bas. Je vais mélanger ça. Prendre une bouchée. Yes. Je pense pas qu'on peut venir le soir. Chadwick et moi, on est sortis prendre une petite marche nocturne. Il est 18h45. J'ai dit, on est trop bien dehors, je vais sortir prendre un peu l'air. Ça fait du bien. Et lui aussi, je pense qu'il aime ça. So, c'est ça.
You love it when I get so high and drop that ass so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high and drop that ass so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high and drop that ass so low.